Non et non, je ne laisserai pas mon nom sale sans me battre. Laurent Gbagbo est prêt à se battre jusqu'au bout pour restaurer son honneur et sa dignité qu'il juge bafouée par la justice ivoirienne. Jeudi 8 juin, l'ex-chef d'État a déposé une requête en contentieux pour sa réintégration sur la liste électorale sur laquelle il est radié depuis 2020 alors qu'il était encore détenu à la Cour pénale internationale. Ici, clandestinement, quand on apprend que je suis acquitté à ce pays, clandestinement, on se cache et on me met sur le dos une accusation. Non, c'est trop politicien, ce n'est pas digne. Je refute avec vigueur une telle accusation. Dans ma vie, j'ai toujours travaillé pour que je n'ai aucune ombre dans mon casier judiciaire. Le président du PPACI en a profité pour appeler la classe politique à la cohésion dans le but d'aboutir à des élections apaisées, mais surtout laisser aux futures générations une Côte d'Ivoire pacifiée.